Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, My Tour dans le Tour de France 2021. Cassion-Couserans, plateau de Baïes, 117 km, une petite étape. Devinez, c'est pour qui? C'est pour Guillaume Martin. Est-ce qu'il a une forme normale? Est-ce qu'il a une forme de ouf? Ou est-ce qu'il a une forme de merde? J'en ai plein le cul des formes de merde. Je veux de la putain de forme. Les favoris, Pogačar, Roglič, Woods. Et Guillaume Martin, non? Désolé, je suis complètement baisé. C'est pas possible. C'est incroyable quand même. Putain, mais... Qu'est-ce que tu veux que je m'énerve pas? Le mec, il a moins un. Et Rada est meilleur. Limite, hein. Regardez-moi ça. Et Rada en accel, il est meilleur. En vallon, il a 77. En montagne, il a 77. Lamartin. Accel, 71. Vallon, 77. Montagne, 79. Mais tu retires le moins 1. Voilà. Donc, voilà. Rada, il joue pas le classement, hein, mais... Putain de bordel à cul, hein. Putain de bordel à cul. Putain de bordel à cul. Mais personne n'est. Mais personne en forme. Mais j'aimerais bien voir les notes des autres coureurs là, parce que. Moi, ils sont morts, mes coureurs. Ils sont complètement morts. Bon, on va. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une échappée. Bon, allez, on fait une échappée avec Arada. Et on verra après. Avec le petit Guillaume. Mesdames et messieurs, bonjour. Il va C'est falloir une belle vérifier, hein. étape de montagne Parce qui que s'annonce là, aujourd'hui, avec un départ incroyable. au pied du col de la Corre, Que puis des formes de l'ascension du merde. port de l'Hers, et pour terminer, J'en la ai plein redoutable montée l'oignon. finale vers le plateau de Baye. Putain, et puis il est On ne loin, lui. va pas s'ennuyer. Il est très loin, même. Ah non, mais bouge. Ah, mais je suis sur le bas-côté, tu vois pas? Ah là 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 là. Les jeunes. Allez, vous protégez mon petit Guigui. On a fait un top 10 la dernière Et je fois. vais le protéger. Qu'est-ce qu'on va faire cette fois? Est-ce que je vais pouvoir m'échapper là avec Errada? Je peux pas me pousser. Pousse-toi! Ah! Obligé de gueuler, hein? Incroyable. Incroyable ce monde où l'objet de gueuler à chaque fois. Ah, ça me fatigue. Je suis fatigué. Allez, bougez. Oh là là, tout ce qu'il faut que je remonte. Allez, ne t'énerve pas. Allez, laissez-moi. Oh là là, ils sont déjà loin. Ils sont déjà loin. Ils sont déjà tellement loin. Allez, bougez, bougez. Oh là 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 là, c'est pas Coureur très vrai. à l'aise sur les parcours vallonnés avec de forts pourcentages, Dylan Et Teuns Tuts fait aussi, il se partie des bat. punchers Mais sur ils vont qui le on laisser peut partir. compter lors des classiques ardennaises. Bon, À peine le temps de il a reculé un peu au s'échauffer et nous classement, voilà déjà au pied du mais voilà col de quoi. la Corre. C'est une montée de 14 km avec une Allez, pente moyenne de est-ce qu'ils vont m'attendre? 5,7%. Est-ce qu'ils vont m'attendre les petits titis? Je ne pense pas. Ils sont déjà loin. Je crois qu'on peut dire que Nance Peeters est un spécialiste des échappées victorieuses. Vainqueur d'une étape du Tour d'Italie pour sa première On est combien? participation, On à est l'issue 10 d'une longue en tout? échappée, il a récidivé dès l'année suivante en remportant une étape du Tour, là aussi en échappée, et ce, On va dès pouvoir les sa première rattraper, ils sont participation. juste là. Ils sont vraiment juste là. Il a des ambitions pour le maillot à pois. Ah bah moi aussi, mais j'ai pas trop l'occasion à chaque fois. Allez. Allez, un petit coup d'accélération. Attention à lui, c'est un véritable puncher qui peut Ouais, bah s'imposer j'arrive sur moi. n'importe quelle J'arrive. arrivée en bosse, mais il peut aussi compter sur sa pointe de Ils sont vitesse là. en Ils sont cas au d'arrivée virage là. groupée. Le leader fait rouler son équipe très tôt pour gérer Ah, les il est cartes. chiant le leader. Non mais sans déconner, Fais Oka, gaffe, tu te t'as fous de ma bientôt gueule. plus d'énergie pour attaquer. Non mais il faut que je rajoute quand même. Allez mon petit Errada. Putain, je prends des trajectoires de ouf. Allez mon Quentin petit Errada. Paché est un coureur offensif qui n'hésite pas Là à se ça roule porter à là. l'avant. Il est à l'aise sur Allez, les on est parcours juste là. plutôt vallonnés.
C'est une bonne petite échappée, là, quand même. Allez, mon petit Arada. Ils sont juste là. De par ses capacités en montagne et ses aptitudes en contre-la-montre, Pierre Latour dispose de qualités non négligeables pour viser le classement général dans les courses par étapes. On va un peu récupérer, là, quand même. Ah, il y a la Philippe, il y a Barguil, il y a Paché. Il y a du français. Lutsenko. Backlund. On lui colle souvent une étiquette de puncher, mais il passe néanmoins très bien la montagne et il possède aussi une très bonne pointe de vitesse. Et qui d'autre Et qui d'autre? Jens Lato, Lutsenko, Alaphilippe, Peters, Barguil, Paché, Errada bien sûr, et Backlund. Regarde, sa meilleure chance de victoire à 12 minutes et le laisse partir. C'est quand même un truc de malade. C'est. Là, à chaque fois, hein, il laisse partir, Tuns. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. C'est pas grave. À noter que nous, la dernière à la fois, bah, quand j'ai fait un top 10, je ne sais même plus. Le breton Warren Barguil est surtout doté d'un tempérament offensif. Ça lui a notamment permis de remporter Pogacar, deux victoires d'étape sur le Tour d'Espagne, mais surtout le maillot à poids et deux étapes du Tour de France. On va rien dire. J'ai bien récupéré du rouge, là. C'est bien de rester derrière, tranquille. Et on c'est a un 2 excellent 52. Grimpeur puncher capable de faire la différence sur chaque accélération. On va pas se barrer tout de suite. Non mais Paché, moi je reste derrière toi. Emmanuel Bormann est un coureur régulièrement placé dans le top 10 des grandes courses à étapes. C'est un jeune grimpeur qui commence à s'affirmer au plus haut niveau. Il est un peu chiant. Hein. Il est un peu chiant, il veut que je sois un peu plus devant. Bon, moi, je vais être un peu plus devant, et puis c'est tout. Pierre Latour est souvent dans les échappées. Hein. Après, il veut le maillot. Comme maillot beaucoup à poids. De ses compatriotes colombiens, moi aussi, j'aimerais Sergio bien avoir le maillot, Iguita mais est un j'ai petit aucun gabarit. Point. Qui quoi se montre à son j'ai 4 points avec Errada. Dès que la route s'élève. 4 petits points. Et 5 km. Les 6 premiers au sommet du col marqueront des points pour le Grand Prix de la Montagne. Le premier empoche 10 points. Mon petit Errada. Les petits points, ce serait tellement bien d'avoir des points. Ce serait tellement magnifique d'avoir un petit maillot distinctif parce que là, le top 10, bon ça va être très compliqué. Bon rouleur, il on va essayer, on peut encore. Pour gagner, car le sprint est une vraie faiblesse. 10, on peut encore. Hein. Si on gère avec, avec Guillaume Martin, mais avec les formes que j'ai, avec une forme normale, j'arrive à gérer un minimum. Mais avec des formes comme ça, je vais quand il me prendre 7 minutes dans la gueule. Il fait partie de ces jeunes du qui veulent très vite se faire un palmarès. Mais pour cela, il cherchera plutôt à arriver en solitaire parce que sa pointe de vitesse n'est vraiment pas très bonne. Je ne vais pas en mettre une tout de suite parce que ça ne sert à rien, je pense. C'est vraiment que pour les points. Hein. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Avec Alaf en plus. Alaf, je sais pas combien il a de punch, mais il a du punch. Voilà, Peters, il accélère là. Oulala. Non ? Non, c'est seulement pour être un peu plus devant. Bon, on se met un peu en danseuse. Ça fait du bien aux jambes. Vous êtes à 2 km du sommet. Observe tes adversaires. J'ai pris vraiment un mini relais, moi. Sèche de gueule. Bon, allez, je vais passer devant quand même. Tu sembles être le meilleur grimpeur du groupe. Ouais, je suis meilleur grimpeur. Ah ouais, je suis le meilleur grimpeur. Ah ouais, je suis le meilleur grimpeur. Je suis à combien là ? 1 km 2. Et j'en mets une petite là. Une toute petite.
Ah, il me suit, Barguil. Et Barguil, il a mon cul. Putain. Ah, j'ai du mal à... Oh là là. Regarde, ils sont déjà en sprint. Ils sont déjà en sprint, putain. Allez, 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 allez. Un peu de points, un peu de points, un peu de points, un peu de points, un peu de points. On a fait combien? Quatrième. Putain, on a fait quatrième. 4 points. C'est chaud hein, d'avoir 4 points. Et ben pour 4 points. Putain de bordel de cul. Allez mon petit Errata. On récupère dans la descente. Tranquillou. Allez, te fais pas piéger tout simplement. Mais bon, je le sprint. Bon après le sprint, moi, je m'en fous un peu. On va grappiller des points. Voilà quoi. Il faut constamment essayer de s'abriter. Pour profiter, on est en forme normale. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. C'est une grosse blague. Comment ça se fait que je me fais lâcher là? Je suis en 70 là. C'est pas normal. Encore quelques kilomètres avant de disputer le sprint intermédiaire. Puis en plus, il serait étonnant que des sprinteurs soient encore en mesure de marquer des points. Là. Il me faire shooter. Ah, et puis, bon, je vais le sprint, ils vont être encore plus loin. Allez, allez, j'accélère un peu là. Et moi, je joue pas les sprints. Hein. Ouais. C'est une horreur, ça. C'est une horreur. Ah, qu'est-ce que vous faites, les gars, là? J'étais bien, là, tranquille, moi. J'arrive au sprint intermédiaire. Sois attentif. Ah non, non, mais je fais pas. Bon, reste 3 bornes, ça va. Moi, je vais jouer. Je joue la montagne. Eh oui, madame. On récupère. On a récupéré dans la descente. Là, on se défonçait. Incroyable, quand même. Incroyable. Et dans chaque vidéo, je gueule. C'est quand même un truc de fou. Je gueule pas autant dans la vie. Hein. Je joue, je gueule. C'est ça. Et Guillaume, et Guillaume, et Guillaume, et Guillaume. Et Guillaume, ça va. Allez, faites le sprint. Moi, je m'en fous un peu. Donne-moi ça, ils font le sprint. Comme si leur vie en dépendait. Et puis ils vont loin. Hein. Donne-moi ça. Bonne de débile. Et tu vas pas rouler, toi ? Et sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Hop. Le gote. Et du coup, ils vont nous attendre, non ? Est-ce que ça m'étonne? Ouais, ils vont pas nous attendre. Diminue un peu l'allure. Autrement, tu vas nous faire un coup de moins bien. Ils ne vont pas nous attendre. Ah là là, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Allez. Allez, mon petit Errata. Incroyable. Vous nous attendez un peu. Peter Sagan a pris 2 points. Pedersen a pris 1 point. Ah, j'ai plus de... Putain, j'ai plus... Allez, je bouffe mon bleu, là. Soit après, il y a le ravito. Faut juste pas que je le défonce, là, le mon bleu. C'est maintenant le port de l'air. Je suis obligé de me défoncer. Regardez-moi ça. Une ascension de 13 km avec une pente moyenne de 6%. On va aller dans les roues, là. Un petit peu. Ils accélèrent. C'est de prendre les bonnes trajectoires. Ah, mais ils en veulent, hein. Bon, arrêtez de se foutre de ma gueule au bout d'un moment, hein. Plus vite. On est déjà à 28 km/h, 5%, plus vite. Ma gueule. Ah mais je vais y arriver ou quoi là? Ça accélère encore. Putain. Incroyable. Je suis obligé de faire ça, quoi. Oh là là. Putain, je suis en train de me tuer là.
Ah non, je reste derrière. Déjà, ça va trop vite. Ça va trop vite, c'est pas possible. Allez les gars, courage. Qu'est-ce que tu veux que j'ai des points là? Je peux pas avoir de points, j'ai déjà plus de bleu. Et on est à 60 km de l'arrivée. Port de l'Hers, 12,5 km à 6,4%. Je vais me faire baiser. Je vais même pas pouvoir suivre. Je vais pas pouvoir suivre. Non, mais je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir. Ah, je vais pas pouvoir. Je vais me faire lâcher. Voilà. Ils vont trop vite pour moi. Simplement. Ah là là, c'est incroyable ça. Bon. Pain va se faire lâcher là. Je me suis fait lâcher dans la plaine, voilà. J'ai tout bouffé. Et eux, ils sont à 25 km/h, normal. Tranquille. Incroyable. Et c'est pas parce que je suis en champion, hein. C'est juste. J'ai des notes de merde et. J'y arrive pas. Je. Là, avec Guillaume Martin, on va être 75e. Simplement. Je vais même prendre le rouge, tu vois. Même si ça pas grand chose. Au moins avoir du rouge. Ça. Je vais pas avoir le temps. Le tempo s'accélère en tête de course. Ah bah oui, je vois ça. Les échappés vont essayer de gérer l'écart. Regardez-moi ça. C'est un carnage. Eh hey, mon petit Erada. Jusqu'au bout, mon Erada. On va la gagner, celle-là. Là, je déconne. Ah. Tun, c'est parti devant, là. Ah, je me suis déjà pris une minute dans la gueule. À cause du lâchement, là. Ils m'ont lâché comme un moins que rien. Putain de bordel, la cul, comment. Incroyable. Le port de l'Hers est classé en première catégorie. Incroyable. Il y aura donc des points pour les six premiers au sommet. Allez, allez. 5 km à Guita, là, au groupe Guita. Ah, je suis pas loin, moi, mais. Voilà. 5 km là. On est avec toi. Il est avec moi, le monsieur. Ce serait bien si c'était dernier col là. Ce serait tellement bien. Mais non. Est-ce qu'on va pouvoir gérer avec Erada? Si on pouvait gérer comme ça avec Erada. L'écart avec l'échappée est important, mais ça ne nous concerne pas. On joue le général, pas l'étape. On vise le général. Oui, on vise le général, là. Avec Guillaume, on est 22e. Avec Erada, on est 53e. On va peut-être même jouer... Mieux valu jouer avec... Avec Erada, le classement. Elle bouffe un peu... Ça te prend pas de mal. Allez, mon petit Erada. Il reste 3 km pour nous, là. L'avant de la course est à 2 km du sommet. Moi, je suis à 3 km. Ils sont loin. Hein. Allez. Allez, bah, groupe Roland. Il s'est fait bouffer, Roland. Pierre Roland, bien sûr. Ah, Pierre Roland, c'est dur pour lui. De toute façon, c'est dur pour tout le monde, hein, je pense. Mais ah, pas tant, on peut se regarder. N'échapper, les mecs sont en sprint. Incroyable. Le peloton roule fort, restez bien placé. De bah, toute façon, je peux pas être mieux placé que ça. Hein. Là, je vais même pas avoir de points, je suis 11e. On continue avec Erada. On sait jamais.
une bonne place est si vite arrivée. Allez, là, c'est du plat. Ça descend d'autre un peu. Même pas, non, c'est du plat. À 2%, c'est ça. Ils ont fait le sprint. Là. La descente va permettre aux coureurs de récupérer. Ils devront ensuite gérer leur effort au mieux pour attaquer l'ascension finale vers le plateau de Baye avec un maximum d'énergie. Cela, mieux vaudrait ne pas être seul dans la vallée. Oh là là, j'ai pris 4 minutes. Je suis à 4 minutes du peloton. Là. Allez, mon petit Errata, là. Allez, on croit en toi, là. Qu'est-ce qu'il fait, Martin? Oh, Martin, il est tellement bien. Allez, on bascule, nous. On a combien? 4,23, 4,25 de la tête de course. C'est dur. C'est très dur. Allez, mon petit radin. On récupère un maximum, là. Ah, tu fais les descentes. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. Allez, mon Errata. Oh, Rabito. Ah. Attends, tu vas trop vite. Tu perds du bleu. C'est pas possible de perdre du bleu. T'es en descente. Chou, moi. Je suis à 3 minutes du peloton. Mais c'est une descente. Pourquoi je perds du bleu en descente? J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Donc regardez, je suis en descente. J'ai plus de bleu, je suis en descente. Je suis en défaillance en descente. Allez, mon petit Errata. Courage. Je ne peux pas aller plus vite, madame. Je vais être en défaillance. Putain, j'en ai marre. Le peloton il roule pas trop. Je suis en défaillance. Merde. Bon bah voilà, je suis en défaillance. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Allez, mon Errata. Allez, mon petit Errata. Tu poursuis ton effort tranquillou. Vas-y, tempo 50, on s'en branle. Comme ça, tu n'utilises pas trop d'énergie. Allez, on n'est pas assez prêt, hein, mon petit Errata. Les hommes de tête sont maintenant au pied de l'ascension finale. 15,8 km à 7,9% de moyenne. Voilà, le peloton est là. On est dans la merde avec Errata. On va protéger Guillaume Martin. Hein. Toi, tu vas protéger le petit Guillaume. Toi aussi. Tout le monde protège Guillaume à fond, là. Mais pas 50, hein. À fond. Voilà, et nous on va prendre. Guillaume, voilà. Ok, je vais te protéger. Allez, là on est bien avec Guillaume. C'est en accélération, je peux pas accélérer. Si j'accélère, je meurs. Allez, 14 km là. Est-ce qu'on va réussir à faire un top 10, un top 20? Top 10, ça serait cool. Top 20, ce serait chiant. Mais top 10, ça serait vraiment bien. Si on pouvait remonter aussi au classement, là, ça nous ferait tellement du bien. Voilà, je peux pas aller aussi vite, moi, avec Guillaume. Bon, ma barre rouge, là, de tête devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. Pourquoi ils vont aussi vite? Allez, on se repose là, les gars. Allez, les gars,
En fait, ils peuvent pas me protéger, les gars. Ah, mais comment ils vont vite? Regardez-moi ça. Ils sont sprint à longueur de temps. C'est pas normal, ça. Roglic, il va pas rouler. Il va pas rouler, Roglic. Allez, on en met une petite. Est-ce qu'on en met une petite? Oh putain, lui, il part. Je voulais en mettre une petite, il part. Allez, Guillaume. T'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Encore 10 km pour les hommes de tête. Allez, mon Guillaume. Comme ça, on est bien, Guillaume. On leur a mis 10 secondes, Guillaume. Allez, Guillaume. 4 secondes. Ils sont revenus. Là, on est bien, Guillaume. Personne n'a pété, mais c'est pas grave, on est bien. Ah, ça y est. Ça y est, ça commence. Ça commence à partir, là. Tout le monde commence à partir. On est dans la merde. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Porte. Bon, c'est pas grave. C'est normal. Je ne sais même pas si bon là. Allez, mon Guillaume. 10 kilos de futur vainqueur, en plus de la victoire d'étape, va faire une excellente opération au classement du Grand Prix de la Montagne. Mais encore 78 ans dans le peloton, bordel. Incroyable. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Allez, les gars. Accélération à la tête du peloton. Il faut être voilà. Vigilant. Roglic. Accélération de Roglic. Bah, il veut le maillot. Hein. Mais bon, Pogacar. Bon. Allez, partez, vous deux, là. Faites votre vie. Nous, on n'a pas envie de participer à vos conneries, là. Il n'y aura pas de suite. De toute façon, il veut la troisième place. Hein. Il a arrêté de rêver. Moi, je surveille bien là, ma barre rouge, là. J'ai pas envie de prendre mon rouge tout de suite, tout de suite. Encore 64. On est combien encore là-dedans? On est encore 14. 15. Ce serait tellement bien de rester. Iguita, lui, il tient bien. Le groupe Itika, Iguita et Alaphilippe. Ok. Allez, 7 km 4 de l'arrivée, nous. Ah, ils sont sprint à longueur de temps. Je vais pas pouvoir suivre longtemps, moi. Ah, oh, Mathieu, c'est toujours là, mais je suis fou de ma gueule. Il était pas dans l'échappée, lui. Je vais pas tenir longtemps, moi. Hein. Diminue un peu l'allure, autrement tu vas nous faire un coup de moins bien. T'as l'air d'être dans le rouge. Lève le pied si tu veux pas avoir une défaillance. Ouais, que 5 km sur la tête. J'ai pas le choix. Non, pas autant. Pas autant. Bon, je vais prendre mes gels. Oh, ils sont sprint. Ils m'énervent d'être au sprint. C'est, je suis le maillot jaune attaque, faut y aller tout de suite. D'accord, je vais y aller. J'y vais tout de suite. Allez, laissez-moi passer, merci. On va gérer, on va essayer de gérer. Oh là là. Les blocs. Déjà, je suis dans la merde, alors là, les blocs, ça m'arrange pas. Hein. Ça attaque en tête du peloton. Allez, on va essayer de gérer tout ça, là. Putain, mais cassez-vous! Allez, mon Titi. À 3 km de l'arrivée, un homme est seul en tête de la course. Mais il va devoir lutter pour conserver son faible avantage jusqu'à la ligne. Accélération microscopienne. Truc de ouf. Allez, vraiment, tranquillou. C'est tellement bien de faire un top 20.
Ah, et puis, dès que je pars, on me suit. C'est dingue, hein. Comme ça, je pense qu'on est bien. Elles sont juste là. Ah, ils sont là. Elles sont... Et les mecs sont derrière. Ils me suivent tous. Dès que je m'en encore vais... Encore 2 km bam. Pour l'homme de tête. C'est presque incroyable. Gagné pour lui. Allez, mon Titi. Allez, mon Guillaume. Un top 20, c'est déjà pas mal pour nous. Après, c'est du plat, là. C'est du bleu. Bon, plat... Je comprends. Du 3-4%, mais pour eux, c'est du plat. Les mecs devant, ils sont en défaillance, blatt. Ils sont en sprint. C'est dingue. Échappé, t'as 1 km de la ligne d'arrivée. Mais pas moi. Je suis à 2 km 4. Allez, mon Guillaume. Un top 20, c'est tellement bien. Oh là là. Oh là là. Le carnage encore. Allez. Lopez. Lopez, je me suis. Voilà, tranquille. Lui est en défaillance. Il me suit maintenant. Voilà. Normal. Tout à fait normal. J'ai dit normal ? Ouais. Elle est 1 km 3. On ne peut pas accélérer. Ça y est, ils accélèrent. Tout d'un coup. Voilà. Ça leur vient comme ça. Ça leur prend. Ok. Ok, ok. Van Aert, il va me niquer au sprint. De toute façon, je peux pas aller plus vite. Je peux plus là. Je ne peux plus. Je suis en défaillance. Allez, 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 allez. Allez jusqu'au bout. Ah, j'aurais dû accélérer plus tôt. Plus tard, plus tard. Allez, au bout. Au bout. Au bout. Allez. Allez, oui, top 20. Oui. Top 20. J'ai fait un top 20. Ah putain, après un top 10, un top 20. Waouh. Je pense que je suis à ma place quand même. Ouais. Je ne vois rien. Magnifique course de Guillaume Martin. On a fait 19e. Un miracle. Avec une forme de merde. On avait un moins 1. Toi, avec une forme normale, je fais un top 10. Et si j'avais un plus 2 à jour dans ma vie, ça serait un truc de fou. Ouf. Il a passé la ligne d'arrivée. Il va monter sur le pont. Il est en tête du classement. On peut dire que le tour, il est dans une... Dans une forme étincelante. Elle est démolée. Et plus gros mollet que les cuisses, bordel. Bon, on visait un top 10 sur cette étape. Et il s'est raté. Il s'est raté. C'est dommage. Higuita a gagné devant Alaphilippe. Le troisième, Lutsenko. Quatrième, Pierre Latour. Très très bien. Pogacar, toujours maillot jaune. Roglic est à 2 minutes 18. Et Carapaz, 3,05. Puis après, c'est la mort. Et nous, on est toujours 23e. Oh. Attends, toujours 23e. C'est qui le 24e ou le 22e là ? Izagir. Putain, mais je vais jamais pouvoir les passer, les mecs. Lutsenko, il fait des échappées de partout. J'ai peur de faire des échappées pour être encore plus dans la merde. Guns, maillot à poids, maillot par points, maillot vert, Pogacar, classement des jeunes, Pogacar, classement par équipe, la Jumbo est revenu dans le premier du classement par équipe. Le classement de la combativité, Peters, nous avec Carada, on est 21e, de toute façon on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Barem Vance, 135 km, voilà, là on va être en bonne forme, je suis sûr. Allez, on va la faire. On va aller jusqu'au final, je pense. Après, les échappées peuvent aller jusqu'au bout là, de cette course. Ouais, on fait des étapes rapides hein, quand c'est des trucs comme ça. Van Aert, Pogacar, Roglic, favori. Deuxième catégorie, il va falloir peut-être se bouger l'oignon. Forme normale. Non, forme de merde. Bah, qu'est-ce que vous voulez?
soit on est dans la merde, soit on est dans la merde. Donc là, on est bien dans la merde. Allez. Incroyable. Incroyable. Mesdames et messieurs, bonjour. Le dernier classement de la montagne risque de s'avérer crucial pour la victoire du jour. Avec son sommet placé à moins de 8 km de l'arrivée, il est possible d'avoir une occasion en or de passer à l'offensive et éliminer les coureurs. J'ai eu une bonne forme. Hein. Et un jour, je vais prendre Pogacar. Le mec, il va être en moins 12. Je vais rien comprendre de ma vie. Allez, on arrête les conneries. On ne fait même pas d'échapper, on s'en bat. Allez, hop. Plus rapide au sprint. Les gars, le dernier classement grimpeur, c'est vraiment le point stratégique de la journée. Bah oui, c'est ça. Il faudra c'est être bien placé à ce moment-là. Ouais, je vais bien être placé, t'inquiète pas. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échapper. Tout le temps devant. Pogacar, il s'en fout. Il est déjà à 15 milliards de minutes des autres. Qui est en échappé? Qui est en échappé? Je peux pas regarder. Tunch est en échappé? Le mec, il va faire un top 10 en échappé. L'échappé, t'as 3 km. Comme Guillaume Martin dans la vraie vie. Lors du prochain Grand Prix de la montagne, il y aura 5, 3, 2 et 1 point à empocher pour les 4 premiers à franchir le sommet. Tout doucement. On recule trop, les gars, on recule trop. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Il faut rester dans les 30 premiers, là. Bah oui, quand même. Le prochain Grand Prix de la montagne est répertorié en 3e catégorie. Alors, il y aura 2 points et 1 point pour le classement du maillot à poids. Regarde le bleu de Wallace, là. Et là, ça descend, on récupère. On est bien, là, on est bien. On est forme de merde, mais on est bien. Là, niveau bleu, on est bien. Niveau rouge, on est bien. Les deux prochaines difficultés sont classées en 3e catégorie. Chacune attribuera donc 2 et 1 point et 50 aux deux premiers coureurs qui passeront le sommet en tête. On va faire le final dans cette étape-là. La fin d'étape approche. Soyez attentifs. Ça ne devrait pas tarder à bouger dans le peloton. Ouais, ça a bougé, ça a bougé. La course entame maintenant une longue portion descendante qui va conduire très rapidement les coureurs au pied de la dernière difficulté. Pas mal de bleu, une côte qui, rappelons-le, devrait s'avérer décisive pour la victoire d'étape. Dernier pointage avec l'échappée, 1 minute. Allez, on a 18 km là. Les coureurs arrivent maintenant dans la portion décisive de cette étape avec l'ascension de la Colle sur Loup. Une côte assez courte mais très pentue puisque le pourcentage moyen est de 10%. On va récupérer, on va être dans les 20 premiers là. On joue un top 10, donc c'est bon. Hein. C'est bon, les gars, si on veut jouer la victoire au sprint. Je retrempe de la main. Il essaie de sortir du peloton. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échapper. Allez, mon Guillaume. Allez, mon Guillaume. Là, ça va être dur. Ça va être très, très dur. Là, ça a piqué, là. Allez, mon Guillaume. On signale une contre-attaque à l'avant du peloton. Allez, c'est pour toi, là, Guillaume. Et là, c'est dur, là. C'est du 20%, là. Là, ça fait très, 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 très mal. Non, on prend pas le bleu, on prend le rouge, on prend le rouge, on prend le rouge, on prend le rouge. Allez, mon Guillaume. Ça marche. Je ravitaille. Allez, mon Guillaume. Allez, on peut le faire. On peut le faire, Guillaume. Peut-être pas la victoire aujourd'hui. Mais on va récupérer du temps. Allez, on récupère du rouge, là. Allez, mon Guillaume. Voilà le classement du dernier grimpeur. M'en fous. Il faut faire attention sur la descente, là. L'étape est finalement trop dure pour lui. Allez, putain, je trempe de la main, ça m'énerve. Allez, là, il faut faire attention, là.
Allez, on la connaît cette course. Allez. Allez mon Kiki. Il est à poursuite car il doit penser à la victoire d'étape. Mais qu'il est chiant. Allez, il est chiant. Allez, on peut accélérer un peu là. Juste un petit peu. Plus que 5 km pour l'homme de tête. Allez mon Guillaume. Ça monte un peu après, c'est le final, fais attention dans les derniers virages. Je peux pas trop accélérer là. Eh, 5 km. Allez mon Guillaume. Allez, je crois en toi Guillaume. Il reste 4 km. Plus beaucoup de bleu, enfin plus beaucoup de rouge surtout. Allez Guigui. Ils sont où les autres là? Peut-être 20 secondes. Et du 9% encore là. Allez mon Guillaume, je crois en toi là. T'as soit 15 secondes derrière là. À la Philippe et tout le bordel. Attention, il y a bientôt plus d'énergie. Oui, je sais. Je vais pas aller trop vite non plus parce que je vais me faire éclater là, dans le virage. On me connaît. Attention, il attaque. Il essaie de sortir du peloton. Et la flamme rouge là-bas. Allez, encore 1 km à parcourir pour l'homme de tête. Un groupe à la Philippe est revenu vers moi. Son avance est vraiment c'est pas possible. Échappé sur la flamme rouge, elle va gagner. Allez. Il fait une équipe car c'est un des favoris. Ah, j'ai plus de rouge. J'ai plus de rouge. Quatrième. Oh putain, c'était revenu. Ouh, ils étaient revenus. J'ai fait quatrième. Allô maman, j'ai fait quatrième. Ah. Ça va, on n'est pas ridicule. Des fois, on fait de la merde. On fait de la merde. Mais là, ça va. J'ai fait quatrième. Ah, il fallait que je tente. Putain. On va avoir une victoire un jour. Est-ce que j'ai récupéré un peu de temps là? Quelques secondes. Il est tout sourire au moment de monter sur le. Il est dans une forme étincelante. Il va monter sur le. On peut dire que. Je suis content, j'ai fait quatrième. Une... Incroyable. C'est bravo, compliqué, les gars, mais... Vous avez fait une très bonne étape. Il y a dans le top 5 alors que l'étape ne nous convient pas. Ah, mais ils ont pas perdu. Extrêmement satisfait. J'ai perdu que compte. Oh là là. Incroyable. Il est où le Lutsenko là-dedans? Et voilà. J'ai repris un peu Lutsenko dans sa gueule. Intéressant. Qui a gagné? Barguil a gagné. Moric. Deuxième, Yates troisième et Guillaume Martin quatrième. Et ouais mon gros. Pocaccia. Un petit retouto. Toujours maillot jaune. Roglic, cap, passe. Ah merde. Non. Attends, retour. Êtes-vous sûr de vouloir quitter? Non. Bon bah tant pis. Je ne sais pas à combien on est. Classement. Je ne sais pas. J'ai fait de la merde, madame. J'ai fait de la merde. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. La prochaine fois, Manox, plateau de Cossa. C'est un profil de toute façon, particulier on a pas... avec une difficulté majeure qui devrait départager les grimpeurs. Le scénario devrait être ça. Ah putain. Tout est-ce que je la joue dans l'ascension oh, allez, vas-y. Il va falloir trois répondre étapes. Présent dans la dernière, comme la dernière fois. Si on veut bien trois étapes. Ça fait on pas est mal. En mesure de viser un top 10. Allez, Manox, journée, plateau de Cossa. La prochaine fois, c'est maintenant. Avec Guillaume. Putain, je croyais que j'avais fait une connerie. Comme ça, on verra combien je suis au classement. Ouais, je vais être 22e et demi. J'ai pas pris grand-chose, hein. Tout le monde était derrière moi. Les favoris, Pogacar, Van Aert, Yates et Guillaume Martin. Putain, mais Guillaume Martin, merde. Ouais, il est en forme normale. Oh putain, il est en forme normale. On est toujours 23e. Est-ce qu'on va essayer de faire un petit coup, là?
j'ai envie de vous dire, je sais pas. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette étape devrait vous offrir un beau suspense. Les deux côtes placées juste avant l'arrivée permettront aux coureurs les plus en forme de tenter leur chance pour s'imposer en solo. On va essayer. Ah, puis là, je suis chaud. Résister jusqu'à l'arrivée. Je vais peut-être faire 50e, mais là, je suis chaud. Je suis super chaud. Allez, mon petit. Allez, mon petit Guillaume. Allez. Courage. Après le sommet. On va peut-être y arriver. Ah là là, je le sens là. Je le sens la victoire. Les coureurs sont victoire pour quelqu'un d'autre. Mais je sens une victoire avec la côte de quelqu'un. Du bois roussé. Je sens que quelqu'un va gagner. Oui, je ne sais pas, mais quelqu'un va gagner. Attention, prédiction. Allez. Ça ballonne. Ah, ça fait plaisir, hein, quatrième, même si on n'a pas beaucoup changé au classement général. On n'a pas changé du tout, en fait. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. Oui, on s'abrite, t'inquiète pas. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Attends, on est en forme normale, là. Et demain, on sera en forme olympique, là. On aura plus 25. Ah ouais, ça va être... Plus 25, on va avoir... On est où, là? On aura 103 en montagne. Magnifique. On survole tout, hein. 103 en montagne, on est mort. Les échappés vont essayer de gérer l'écart. Bon, après, on les décède, hommes je pense. De tête entament l'ascension de la côte des Tuilières, classée en troisième catégorie. C'est l'heure du ravitaillement pour la tête de course. 60 km. Il y aura un point à prendre pour le maillot à poids en haut du prochain grimpeur. Allez. Je sais pas si c'est du bluff, mais l'échappée a l'air d'augmenter le rythme en tête de course. L'échappée me fait chier. Mais on s'en fout. Nous, avec Guillaume, ce qu'on veut, c'est qu'on va s'échapper. Rappelons que on va sur se barrer un sprint intermédiaire, pour reprendre du les 15 premiers à franchir la ligne en poche des points pour le maillot vert. Pour reprendre du temps. Voilà. Pour reprendre du temps. Voilà. C'est tout ce qu'on les veut. Les coureurs vont enchaîner deux ascensions. La côte de Cabris et ensuite la côte de Cabris. Allez, on se barre avec Guillaume là. Est-ce qu'ils vont nous laisser ? Parce qu'ils nous... S'ils nous laissent pas, je comprends plus rien. Allez, on se barre. Allez, on se barre bien avec Guillaume Martin là. Faut rouler les gars, si on veut jouer la victoire au sprint. Allez. Fais gaffe, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Allez mon Guillaume. Nous laisse passer là, nous laisse partir, je veux dire. Putain, un gros glitch, non mais se fout. Allez mon Guigui. Allez, vous nous laissez quand même. Les Allez, hommes Guillaume. De tête ont une minute d'avance sur le groupe des favoris. Le groupe maillot jaune est maintenant à une minute de la tête de course. Allez avec Guillaume là. Allez, bon. Le peloton va me faire chier. Hein. Je suis meilleur, ouais. Il y a un monsieur, il a dit que j'étais meilleur. Il prend ses responsabilités et fait rouler son équipe pour te reprendre et jouer la victoire d'étape. Qu'est-ce qu'il fait, Shlutchenko ? Un équipier, laissez-moi vivre ! Ne comptez plus sur lui. Irata, il s'est fait péter ? Putain. Incroyable. Il y aura 5 points pour le premier au sommet. Je m'en fous des points. Je veux gagner. Allez, 23 km. Groupe Pocacar là, ils sont 27. Allez, laissez-moi vivre là, laissez-moi me faire plaisir un petit peu dans la vie, s'il vous plaît. Allez mon Guillaume.
On a une vingtaine de secondes là. On regarde pas derrière, on est bien. Allez. Ouais, ils sont juste là. Putain. Le peloton est revenu. Hein. Ouais, ils sont là. Ah là là, il m'énerve. On en met une. Putain, pourquoi ils... Ah, ils sont... Regarde, ils sont chasse. Ils me saoulent. Mais tu crois que je suis un danger, là? Je suis à 75 milliards de minutes de vous. Avant de la course, c'est à 2 km du sommet. Je me fous de ma gueule. Se foutre de ma gueule. Et laissez-moi, bordel. C'est pas possible, ça. Oh, putain. Tu m'énerves. Ah bah Irada est revenu. Irada est là. Mon petit Irada il est là. Jusqu'à il est là. Tout le monde est là en fait. Et ça pour rien. À la porte il est là aussi. Non mais il a plus de rouge. Ça marche. Je ravitaille. Ça revient sur l'échappée. Elle va avoir du mal à résister au retour du maillot jaune. Allez, du coup, on va basculer. Hein. Le maillot à poids a suffisamment d'avance pour être sûr de le garder aujourd'hui. Nibali, 5 points. On n'a pas fini de monter. Un peu l'allure. Autrement, tu vas nous faire un coup de moins bien. C'est de ma gueule. C'est du plat, là. Ça descend pas du tout. Et Fulg, il est à fond, là. Ah non, je prends pas, mon gars. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Ma gueule. Vingegaard se fait décramponner. La blague. Et je prends mon bleu, même si ça me fait pas plaisir. Je suis obligé de prendre mon bleu. Et Rada, il va pouvoir faire un truc. Allez les gars. Et échappé, elle tient. Hein. J'étais près d'eux tout à l'heure, du coup, je suis un peu moins près d'eux maintenant. Mais ça va monter un peu là. Nous sommes au pied du col du Ferrier. Plus de 4 km d'ascension à 6,8% de pente moyenne. De quoi allez, faire on essaye encore. Mais attention, encore il et encore. Quand même être en mesure. Et ça de continue encore et encore. D'arriver. Pas trop non plus se faire éclater parce que sinon là. T'as l'air d'être dans le rouge. Oui, je suis dans le rouge. Lève le pied si tu veux pas avoir une défaillance. Oh, je prends déjà mon rouge. L'écart entre le groupe des favoris et la tête de la course est de 30 secondes. On a maintenant 30 secondes entre l'échappée et le maillot jaune. Allez, mon petit Guillaume. Le roule fort, restez bien placé. Ce sont du vent, là. Il fait rouler ses gars, car c'est un danger pour le général. Ah putain, mais il me suivit. Il m'a carrément suivi. Il est où, Irada, là? Putain, Irada, mais t'abuses, là. T'abuses, Irada. Putain, j'aurais bien voulu qu'Irada... Bah, il a plus rien. On me laisse tomber. Bon, bah, je peux même pas aller te suivre. Tu vois, j'essaye de faire quelque chose. C'est pas possible. Allez, à chaque fois, si je fais un top 20... Van Dark, il est toujours avec moi. Chaque fois, si je fais un top 20, je vais pouvoir peut-être faire un top 20. L'homme de tête a 30 secondes d'avance sur les favoris.
Attention les gars, il y a du vent sur le sommet. S'il est de face, restez bien protégés. Oh là là, ils arrêtent pas de me rattraper. C'est pas possible de voir ça. C'est pas possible, bordel. Ils me rattrapent tous. Tous. Casse-toi, connard. Putain, mais on n'est pas dans Pokémon, là. C'est pas... Je suis Guillaume Martin, attrapez-moi tous. Oui, 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 oui. Putain, ça m'énerve. Ah, puis là, il y a le vent dans ma gueule. Putain, je fais un top 30, quoi. Avec une forme normale. Ah, j'ai tenté, hein, j'ai tenté. Moi, j'y arrive pas. L'écart est maintenant d'une minute entre les favoris et l'homme de tête. On n'est pas assez fort avec Guillaume Martin. C'est... C'est chiant. L'autre, il arrive en sprint. O'Connor, voilà, il arrive aussi. Les gars, ils sont... C'est des malades. Allez, là. On va basculer un peu, là. Ça va descendre ? Est-ce que ça descend un peu là ? Putain, le vent. Accélération à la tête du peloton, il faut être vigilant. Je peux pas accélérer, moi. J'ai plus de roue, j'ai plus rien. Sur le bas-côté, je regarde la course. Non, les gars. Pas de ma gueule non plus. Le maillot jaune vient d'opérer la jonction avec le groupe de tête. Là, on le voit le vent. Et 6 km encore de souffrance. Encore 5 km pour les hommes de tête. J'étais tellement content de faire 4ème tout à l'heure. Que 5 km pour la tête. Ah là là. Ah, ça va aller vite, là, les 5 km. Le vent. Ils abusent pas un peu avec le vent, là. Je vais être en défaillance de fou, là. Attention, ça attaque. Que ça attaque. Oh non, mais ils se foutent de moi là. Ils se foutent de ma gueule. Si on sprint. Non mais. Tu vas pas me dire qu'ils récupèrent mieux que moi. Non mais. Oh, non mais. Je vous en prie. Un peu de respect. Après, je sais, j'ai attaqué et tout, mais bon, faut pas déconner non plus. J'ai bien pris. Bientôt la flamme rouge pour les hommes de tête. Qui va réussir à s'imposer aujourd'hui? Ils vont sprinter. Je vais être 30e. À 1 km de la ligne d'arrivée. Allez, les gars. Oh, il faut le sprint. Regardez-moi, c'est de la vie. Allez. Je vais faire quoi? Je vais faire quoi? 31e. 31e. Bon, j'ai pas perdu énormément de temps, je pense. Mais bon, 31e quand même, c'est vraiment de la merde. Putain, c'est chaud. Ah, du coup, le temps que j'ai récupéré tout à l'heure, bah là, j'ai perdu le triple. Oh là là. Mesdames et messieurs, il est en tête du classement. Il est dans une. Il joue les tours. On peut dire que le tour se. Pogacar, lui, survole le tour, là. Incroyable. Bon, on visait un top 10 sur cette étape. Là, mon gars, et top 10, tu vas te faire mettre. C'est dommage. Putain de merde. Ouais. Yates a gagné. Hein. Pogacar, toujours premier. Roglic, deuxième à 2,29. Carapace 3-16 et nous avec Guillaume Martin, on est toujours 23e à 25 minutes 33. J'ai envie de péter. Un plomb, bien sûr. Maillot à Poitens, maillot vert Pogacar, maillot blanc Pogacar, classement par équipe Pogacar. Non, la jumbo. Et classement de la combativité Peters. Allez, là, on va s'arrêter là.
La prochaine fois. Innsbruck, Innsbruck, 245 km. Ah là là. Je fais ça. Allez, bonne soirée, bon appétit, bonne nuit. Je vous fais des bisous. Bonne soirée à vous. Allez, bisous, bisous. C'est de la montagne aujourd'hui. L'arrivée n'est pas jugée au sommet d'un col, mais cela reste un parcours difficile et une journée importante pour le classement général. Il va falloir répondre présent dans la dernière ascension si on veut bien figurer.